que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un haul action. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc pour ma crémie coco, je porte un jumbo de chez Kiko. C'est un genre de gloss parce que j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Je me dis que si je mets des mattes, ça va être pire que mieux. Voilà, voilà. Ensuite, oui, j'ai des lunettes. J'ai énormément de mal avec mes lentilles en ce moment. Donc, je remets mes lunettes. Mais elles sont sympathiques, mes lunettes, non? Regardez, c'est assorti. Alors, je vous ai fait une photo sur Instagram. J'en avais trouvé il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. J'en ai retrouvé, donc j'en ai repris. C'est pour faire la vaisselle. Je m'excuse, c'est le chien de mon voisin. Il n'arrête pas d'aboyer toute la journée. Au moins, vous voyez ce que je vis toute la journée. De tous les jours, de toutes les semaines. Il aboie pour un rien. J'ai repris du produit vaisselle. Washing up liquide, c'est à l'orange et au jasmin. Ça sent super bon, ça dégraisse hyper bien. Good Clean Naturally. Alors, je vous dirais, c'est aux huiles essentielles d'orange et de jasmin. Sans huile de palme, 99% d'origine naturelle, 100% biodégradable. J'adore ce truc. Il est, je vous dis pas de bêtises, 500 ml. Donc, il fait 88 centimes. Donc, autant vous dire que c'est de la bombasse pour faire la vaisselle. Ensuite, il n'y en avait plus depuis très, très, très longtemps. Je vous ai fait une story sur Instagram. Donc, c'est un nettoyant ménager toute surface. Je m'en sers partout sur mes meubles parce qu'ils sont laqués blancs, sur ma table basse. Ça nettoie hyper bien, ça désinfecte, ça sent super bon dans la maison. Donc c'est à la rosemary et au rosemary ginger, pareil que l'autre, sans huile de palme, 100% d'origine naturelle, 100% biodégradable, ça sent super bon, je vous le conseille vraiment, je m'en sers même pour nettoyer l'intérieur de ma voiture, mes plastiques, ça sent super bon, il fait 750 ml. Et il fait 1,09€, donc autant vous dire que c'est un méga bon plan, je vous le conseille vraiment. Et il y avait aussi une autre senteur que j'ai pris. Donc ça, c'est spécial cuisine. C'est au citron vert et au poivre noir. Ça sent super bon. Pareil que l'autre, 750 ml, 1,09€. C'est un réel bon plan. Je vous conseille vraiment ces produits. Il y avait aussi le spray à la lavande pour faire sentir bon dans la maison. J'en ai encore. Donc j'en ai pas repris parce que ça, j'en use très très. Donc je vous conseille vraiment les produits de ce style-là chez Action. Ça vaut grave le coup. 99% d'origine naturelle, il dégraisse super bien, ça sent super bon. Je vous les remontre. Donc c'est le Kitchen Cleaner. Vous avez celui-ci pour toutes les surfaces. Et celui-ci, liquide vaisselle. Ensuite, je n'avais plus de lingettes microfibre. Parce que je nettoie, je fais mon ménage avec des lingettes microfibre, pardon. Et j'en avais, mais elles sont très usées, donc j'en ai repris 3 comme ça, 99 centimes les 3. J'ai pris des sacs poubelles. Un machavalo, c'est bon, je les ai pas oubliés. Ma gourmandise et celle de ma fille nous ont perdu. Nous avons pris des Twix, il y en avait 10. De temps en temps, ça fait du bien de se faire des petits plaisirs de gourmandise. 2,99€ les 10. Ensuite, j'ai repris des rubans de strass comme ça. Donc, cette fois-ci, j'en ai pris des jaunes et j'ai repris des strass blancs. Bah, c'est pour les box de ma boutique de chat. C'est pour mettre sur les box pour décorer, tout simplement. Donc, j'ai pris le stock. J'en ai pris, j'aurai de quoi, 89 centimes le rouleau. Et je vous dirai qu'il y a un mètre. Je fais pas mal de box avec. Je fais deux box avec un rouleau. Donc, top. Donc, vous le savez peut-être ou pas, je vais tenir un stand avec ma boutique de jouets pour chats sur une expo de chats qui se tient le 23 et 24 septembre, c'est samedi dimanche, au Stade Bollard à Lens. Donc, si vous passez dans le coin, que vous venez me faire un coucou, ça sera sympa, on fera des photos, tout ça. Enfin bref, passons. Donc, je cherchais des verres incassables pour pouvoir prendre à l'expo, pour pouvoir boire. Donc, j'ai trouvé ça, ils sont trop choux avec des petits flamants. Donc j'en ai pris deux, je pourrais m'en resservir à la maison. Donc chaque verre fait 62 centimes, donc top. Donc ensuite, pour l'expo, en fait, c'est pour pouvoir mettre, vous savez, les boules de menthe, les bâtons de cater, tout ça, hop. J'ai pris des paniers comme ça, donc j'en ai pris 5. Ils sont blancs comme ça, hop, profond, c'est du fer.
Et ils font 95 centimes chacun, donc ça va être top. Parce qu'il me manquait quelques paniers pour mettre des balles, des boules, enfin bref. J'ai repris une caisse comme ça pour pouvoir mettre... Mais ça, c'est pour Océane. Pour mettre des petits stickers parce qu'on est en plein... Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, dans les stickers, tout ça. Donc c'est pour pouvoir ranger que les chats ne jouent pas avec. Donc la boîte fait 85 centimes, top. J'en ai pris une plus petite, c'est pour l'expo, c'est pouvoir mettre mes petites étiquettes de prix dedans. Donc elle fait 29 centimes. Pareil, couvercle, hop. Et comme ceci. J'adore les boîtes. Je vous présente plein de boîtes à chaque fois, moi, dans mes haul actions. Ensuite, vous le savez, je suis une accro au rouge à lèvres. Et j'ai plein de rangements que j'avais achetés sur AliExpress. Mais je m'étais dit, oh, il me faut juste un tout petit rangement parce que j'en ai deux ou trois qui rentrent pas. Donc j'ai trouvé ça chez Action. Donc c'est un rangement comme ça. On peut ranger 9 rouges à lèvres ou ce que vous voulez hein, d'ailleurs. Donc il se présente comme ça. Il fait 99 centimes. Super top, méga affaire. Ensuite, pour mettre dans ma salle de bain parce qu'on a eu des petits accidents. C'est-à-dire que les chats, je sais pas ce qu'ils ont foutu une nuit. Ils ont réussi à faire tomber les paniers dans lesquels je mets les élastiques, les barrettes, les chouchous. Et ils les ont renversés dans la baignoire. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec les gels douches. Tous les gels douches sont coulés dessus. Donc j'ai essayé de les rincer, mais comme ça a resté, c'est resté toute la nuit comme ça, hein, à absorber le gel douche. J'ai pas pu les récupérer, donc je les ai jetés. Donc j'ai racheté comme ça 3 paniers chez Action. Donc un petit, un moyen et un grand. Ils sont roses, ils étaient sympas, puis ça va avec la déco de ma salle de bain qui est dans les tons roses. Donc 1,99€ les 3, c'est top. Ensuite, j'ai pris un verre comme ça, c'est pour l'expo, pour ma boutique, pour pouvoir mettre les bâtons de cater, vous savez, les planter comme des bâtons. Ça fera beaucoup plus joli que dans un bac. Donc il fait 56 centimes, donc pour le prix c'est top, pour ce que je vais en faire, c'est vraiment que pour l'expo, pouvoir mettre mes bâtons de cater dedans. Ensuite, j'ai trouvé, alors vous le savez, j'adore cuisiner. Et je trouve que les pots qu'on a, c'est pas très pratique. Donc j'ai trouvé un moulin à épices comme ça. Donc vous avez du curry, du chili, de l'ail, du sel, du poivre, du curry. Enfin, il est comme ceci. Donc il est comme ceci, je vous l'ai ouvert. Et en fait, pour s'en servir, vous avez des petits trucs qui se soulèvent là. Super pratique, au moins après je pourrais le garder. Hop, chaque truc s'ouvre. Et pour le re-remplir, il suffira juste de dévisser, je vais le garder. Je trouve ça très très pratique mon moulin. Et donc le moulin fait 99 centimes, c'est un très bon plan. Parce que vous savez très bien, quand on cuisine, on ne met pas beaucoup d'épices, donc c'est top. Ensuite, j'avais besoin de chaussettes. Donc je me suis acheté des chaussettes Disney. Donc c'est le lot de deux, vous avez mini là en noir et puis de l'autre côté c'est gris. 1,99€ les deux, donc top. J'en ai pris à Océane. Donc, elle a voulu la Reine des Neiges et Mini, donc en rose, en comme ça. Donc, chaque lot de chaussettes fait 1,49€ pour les deux. Top. Ensuite, autant moi que mademoiselle, j'ai pris ça, en fait, pour me laver les ongles. Et elle aussi, d'ailleurs. Donc, vous en avez deux. Vous avez une petite brosse ronde, comme ça, et une brosse normale. Donc le lot de 2, 69 centimes, top. Donc vous le savez, je suis une accro bougie. Et il n'y avait pas les bougies que je vous présente d'habitude, vous savez, les gros pots fruits rouges. Donc j'ai pris celle-ci qui est au senteur des bois. Ça sent super bon. 1,99€. Cocktail de frais, elles sont super bon aussi. 1,99€. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris deux de chaque. Et j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, elle tue, c'est crumble pomme. Une tuerie l'odeur. Et elle est moins chère que les autres, la crumble, elle fait 1,72€, donc j'ai pris du stock. Je vous dirais que pour en avoir déjà pris en magasin, elles sont dans les 3,30€, 3,50€, donc c'est un méga bon plan. Pour le prix d'une chez Carrefour, j'en ai deux chez Action, donc top. Et donc vous le savez, je suis accro, donc je me suis repris un sac de maïs qui fait 79 centimes. Donc voilà mes petites trouvailles du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.